Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazyp et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops 2 et je vais vous proposer un des meilleurs gameplays que j'ai réalisé. Bon c'est vrai que pour cette vidéo j'avais hésité avec une autre de mes parties mais bon comme j'utilisais le mitrailleur d'Osprey, enfin de MW3 sur Black Ops 2, je me souviens plus du nom, et que je faisais un petit massacre, je me suis dit que ce gameplay au fusil à pompe avec des score streaks bien moins dévastateurs, j'ai envie de dire, ça vous ferait plus plaisir et ce serait bien plus agréable à regarder. Donc ça faudra me le dire dans les commentaires. En tout cas pour commencer cette vidéo je vais immédiatement présenter le gameplay avant de parler de sujets qui vont vous concerner directement et donc qui vont bien entendu et je l'espère vous intéresser. Donc je joue en domination sur la map Plaza avec le fusil à pompe R870 MCS que j'ai équipé de canon long pour avoir une meilleure portée et du viseur laser qui me permet d'avoir un meilleur tir au jugé. Pas d'armes secondaires. En atout 1 j'ai pris poids léger et fantôme. En deuxième atout main leste, en troisième condition extrême, je pense que c'est le minimum pour un fusil à pompe. En équipement une grenade, une paralysante et en bonus d'élimination, le drone de chasse et le foudroiement. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment, je vais vous parler de deux ou trois sujets qui vont vous concerner directement. Et donc je compte sur vous pour être attentif et pour répondre dans les commentaires aux différentes questions que je me pose pour qu'il y ait la meilleure organisation possible pour ces petits projets. Donc tout d'abord j'en avais parlé avec certaines personnes sur le PSN qui me demandaient quand est-ce que se ferait le zombie en 4v4, les doux contre les abonnés. Et bien tout simplement j'ai trouvé une date qui arrangerait pas mal de monde. Donc d'une part ce serait un week-end et plus précisément le samedi 8 décembre. Après si ça se passe bien on ferait pourquoi pas la même chose le dimanche 9 décembre, donc le lendemain. Mais ce que je tenais quand même à vous dire, c'est qu'on filmerait, enfin plutôt je filmerais et j'enregistrerai la conversation des 4 doux qui seraient dans la partie. Et je mettrai la vidéo sur YouTube. Donc après je pense qu'on sera disponible pour en faire peut-être 2 ou 3 en essayant de changer si jamais il y a des doux qui seraient pas disponibles. Enfin, je sais pas exactement combien de temps ça nous prendra, mais s'il y a des personnes, enfin des doux qui seraient pas disponibles à certains moments, on essaierait de tourner et de faire profiter un maximum de personnes. Donc oui, comme j'ai dit, on mettrait le live sur la chaîne YouTube et je voulais savoir déjà s'il y aurait des personnes qui seraient disponibles à 100% pour ce zombie en 4v4 doux contre abonné le samedi 8 décembre. Donc là, faudra me dire dans les commentaires ou même en message privé ou sur le PSN si vous n'avez pas accès à votre ordinateur pour quelconque raison. Essayez de me prévenir le plus rapidement possible qu'on essaye d'organiser ça au mieux de telle manière à ce qu'on puisse d'une part savoir qui sera disponible et en même temps essayer de trouver des horaires qui arrangeraient tout le monde. Donc voilà, déjà, premier sujet qui vous concerne, j'aimerais avoir le plus de renseignements possible sur les personnes qui seraient intéressées pour participer à ce zombie en 4v4. D'ailleurs, une petite parenthèse, si jamais dans les personnes qui souhaitent participer à ce zombie, s'il y en a qui ont des moyens de capture ou des moyens même d'enregistrement audio pour la conversation Skype, ce serait bien de savoir si vous serait possible d'upload en même temps la vidéo sur votre chaîne. Et de me faire après parvenir le lien que je partagerai sur Twitter ou sur Facebook. Donc là c'est pareil, si jamais vous êtes si jamais les 4 abonnés souhaitent se mettre sur Skype, on essayera d'organiser ça, comme ça vous permettra en même temps d'échanger entre vous, hein, de bien délirer de votre côté. Et puis après je pense que ça pourrait être une bonne chose que vous entre abonnés vous passiez pas mal de temps ensemble avec des petits délires en même temps, surtout en zombie, croyez-moi, j'ai déjà fait quelques parties en 4v4 et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment tout est permis pour faire perdre l'équipe adverse, donc empêcher de réanimer, empêcher d'accéder au par exemple à Mastodonte, empêcher d'accéder à la boîte. Sincèrement, il y a vraiment énormément de choses à faire, donc là c'est plus pour être dans la bonne ambiance, hein. Même nous, bon c'est vrai que ça nous embête un petit peu de voir par exemple qu'on n'arrive pas à accéder à la boîte, mais bon c'est bon délire, j'ai envie de dire.
Et c'est bien fun, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et donc voilà, pour terminer, parce que c'est vrai que j'ai parlé pas mal de ce mode zombie, donnez-moi le maximum d'informations sur vos disponibilités ou dispositions pour le samedi 8 décembre. Et s'il y a des personnes disponibles pour le 9, et ben on essaiera d'organiser ça également. Donc pour revenir à un autre sujet qui vous concerne, c'est à propos de la série À vous de jouer que j'avais laissé... Enfin, pas vraiment laissé tomber, mais mis de côté depuis la nouvelle chaîne. Et ben on va reprendre après le zombie entre les doux et les abonnés. Le principe, bah, ce sera pas vraiment le même, étant donné qu'on va faire un autre concept. J'en avais déjà parlé, mais je préfère en réaborder le sujet dans cette vidéo. Donc je vais jouer avec des abonnés et avec des doux si jamais il n'y a pas assez d'abonnés. On ferait des parties donc sur Black Ops 2, hein, comme je l'avais dit, comme Black Ops 2 c'est le Call of Duty le plus récent. Et donc c'est vrai que ce serait pas mal de proposer des gameplays originaux sur celui-ci. Donc on jouerait sur Black Ops 2 où on fixerait des classes aléatoires ou des défis à se faire. J'avais parlé de parties au bouclier entièrement, de parties uniquement au Tomahawk. Donc là on essaiera de voir comment on pourra s'organiser. Donc on ferait environ 5 parties ensemble. Et je choisirai la personne qui a fait le meilleur gameplay. Donc là faudra que je regarde bien avec les gameplays que vous aurez réalisés, en espérant qu'il n'y ait pas de bug avec le mode studio, parce que c'est vrai que j'en ai rencontré quelques-uns, étant donné qu'il y avait pas mal de parties qui n'étaient pas complètes. Donc j'espère en tout cas que ce ne sera pas le cas quand on fera des parties entre nous. J'ai également une dernière chose à dire sur ce concept. Les vidéos se feraient uniquement le week-end pour que, encore une fois, qu'il y ait un maximum de personnes disponibles. Et là j'enverrai des messages à ceux qui seraient en ligne au moment où je compte faire les vidéos. Puis vous aurez juste à me répondre si vous êtes disponible ou non. Et puis, on s'organiserait ça de la meilleure des façons qui soit. Voilà, je regarde si j'ai bien tout dit à ce sujet. Donc apparemment oui. Oui, maintenant je vais encore revenir dessus, je suis vraiment désolé, mais c'est un problème que rencontrent beaucoup de personnes sur YouTube. C'est en ce qui concerne les abonnements. C'est vrai que je vous avais parlé de rejoindre Twitter ou même la page Facebook pour être au courant de toutes les vidéos. Et c'est vrai qu'il y a encore plus simple, c'est vrai que j'y avais pas pensé sur le coup, mais passer régulièrement sur la chaîne... je sais pas, enfin normalement on peut épingler, si je me trompe pas, les chaînes d'abonnement de telle manière à essayer de louper aucune des vidéos. Mais c'est vrai qu'en ce moment on remarque qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui ne sont pas du tout au courant et qui ne regardent pas du coup nos vidéos. Je pense notamment à même des personnes dans la team ou d'autres personnes qui m'ont contacté sur le PSN pour savoir la suite de la série sur Resident Evil 6, alors que j'avais posté une vidéo la veille. Et donc du coup voilà, si vous est possible de passer régulièrement sur notre chaîne, ça vous éviterait de louper des vidéos et d'être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne, etc. etc. Mais je tiens quand même encore une fois à le préciser, je suis vraiment désolé d'insister pour vous dire que Twitter c'est le meilleur moyen pour être au courant, pour discuter avec moi et tout et tout. Oula, j'en perds un petit peu ma voix. Et donc voilà, Twitter, Facebook et un petit passage sur notre chaîne régulièrement pour être au courant des dernières vidéos, ce sera la meilleure solution pour être au courant des news et des vidéos qui sont uploadées sur la chaîne. Donc voilà, je crois que je termine la partie avec un score de 36-3, si je me trompe pas. Je vais voir ça assez rapidement. Et vous allez pouvoir le constater, je vous ai mis un petit bonus qui rappellera un souvenir pour certains d'entre vous qui ont... Bon, je vous dis un petit indice. Ouais, il me semble que c'est 36-3, j'arrive pas bien à voir. Donc en reparlant du bonus, vous allez pouvoir le remarquer, ça vous rappellera quelque chose, notamment un passage de la frag movie, de ma toute première frag movie que j'avais sorti et qui avait plu à bon nombre de personnes. Et donc je vous propose ça, désolé je le commande pas parce que en général maintenant les vidéos que je fais en différé c'est quand j'ai quelque chose à vous dire. Et là malheureusement je n'ai plus grand chose à évoquer dans cette vidéo, donc je vous laisse profiter du gameplay. Ceux qui sont pas intéressés, ne regardez pas. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Destruction. Détruisez l'objectif. Et de...
en attente. Bombe récupérée. Drone anti-radar actif, ils sont aveugles. U2 alliés en approche. Terminez la mission, il ne reste plus que vous, camarades. Anti-radar en attente. Notre drone anti-radar est actif. Plus beaucoup de temps. La bombe est posée. Ouais, c'est le game, les gars. Mon gars, mais va, mais qu'est-ce que ça va? Arrête Call of, sérieux. Arrête Call of. Eh, mais toi, Mickey, je sais pas, mais Call of, c'est pas pour toi. Va niquer ta mère, va. Call of, c'est pas pour toi. Mais espèce de paillou, il débute. C'est la première fois qu'il joue à Black Ops. Espèce de manche de merde. Quand tu ramènes, tu fais du 4-5, mais je serais toi, je prendrais la corde et je me pente. Ta gueule, c'est dans le premier parti.